Hey everyone, and welcome to Sport Trip. Today, I'm in Essaouira, a city already known for its amazing medina that attracts a lot of tourists. But it's also a great spot for kitesurfing. So, let's check this out. Donc là, on est dans ton école de kitesurf. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut en priorité pour pratiquer le kitesurf? D'abord, une aile de kite, un flotteur pour mettre sous les pieds, mm-hmm. qui va ressembler un petit peu à une planche de snowboard, une petite planche qu'on a par exemple, voilà. Voilà. Ça ressemble à ça, une planche de kite. Et c'est un avantage, c'est que ça peut marcher dans les deux sens. Voilà. Oui, donc je peux... Avant, arrière. Voilà. Okay. Ça, c'est pour l'équipement. Et puis ensuite, on va avoir un équipement personnel pour toi, qui va être combinaison, casque, gilet de flottaison, parce que c'est important sur l'eau d'être en sécurité, donc de flotter. Et après, un harnais qui nous permet d'être accroché au kite. D'accord. Avec le par intermédiaire d'une boucle. Bon, d'accord, donc Younes est ici. Donc je te présente Younes, voilà, qui va être ton moniteur aujourd'hui, ouais. Moniteur de kite pour la journée. Super. Et puis on va s'équiper tout doucement et puis on va essayer d'aller faire une petite initiation. Ok, bon d'accord. Bah top. Et bah allez, bon, c'est bah, parti. Bon bah je vais me changer alors. Tu vois, en premier cours, maintenant, on va essayer de décoller une petite voile. Ouais. Avec deux lignes, tu vois, sur le sable. Comme ça, on va connaître les fenêtres de vol. Donc ça, c'est une petite voile. Une petite voile, une petite cerf-volant avec une barre, avec deux lignes. Le vent, il vient d'ici. D'accord. La fenêtre de vol, 51-3, fenêtre de vol, midi, 14h et 10h. D'accord. Ouais. Maintenant, on va essayer de stabiliser la voile ici, vers midi, d'accord. Pour stabiliser la voile, il faut garder les bras tendus comme ça. D'accord, il y a une façon de tirer particulière, c'est-à-dire avec les mains, c'est tendu, je tire comme ça, tendu. Tu travailles seulement avec les épaules, tu vois, comme d'accord, ça. Donc c'est pas mon buste qui non, bouge. Non, il ne faut pas reculer en arrière avec la barre ou bien tu d'accord. tires comme ça. Parce que la plupart des gens, ils tirent là, comme ça, ouais. bien comme ça. Non, il faut garder les bras tendus. D'accord. Donc... Tire droite, gauche. Pas mal. Laisse les bras tendus, tire à droite. Bah écoute, là je crois que ça commence un petit peu à prendre. Ouais, c'est bien. Ah donc ça muscle bien les épaules, ouais, ce sport-là. J'ai ouais. déjà un petit peu les épaules qui commencent à ouais, fatiguer. Exact. Deuxième étape, avec une voile gonflable dans l'eau, tu l'essayes, comme ça, nanas tractée. D'accord. Ça veut dire que tu essayes d'entrer avec la voile dans l'eau, ça d'accord. veut dire que tu allonges sur le ventre et tu pars avec la voile. Sans planche. Sans planche. Essaouira is a great spot to practice kitesurf. There is good wind all year long and the beach is huge and beautiful. I had a lot of fun and a really great time. So see you again on the next board trip.